Bonjour à tous, nous allons faire ici un bilan des muscles de la cheville. C'est un bilan qui est très intéressant parce que la blessure type entorse de cheville, c'est une blessure qui est très fréquente chez le sportif comme chez la personne qui ne pratique pas de sport. Donc on va se servir ici du muscle contrôleur pour venir évaluer la force musculaire de différents groupes autour de la cheville. On va faire les releveurs, les fléchisseurs de cheville, les éverseurs et les inverseurs. Ça va nous permettre de faire un bilan qu'on pourra comparer à la cheville non pathologique qui n'a pas eu d'entorse de cheville pour voir si le patient, après sa rééducation et après son entorse de cheville, a suffisamment récupéré pour reprendre son activité. Pour le bilan de cheville, donc là on va commencer sur un travail comparatif sur inverseur-éverseur, pied gauche puis pied droit, pour voir un peu si les ratios musculaires sont revenus à la normale et si il a bien récupéré donc sa force après son entorse de cheville. Donc je vais commencer par là les éverseurs, je vais venir maintenir sa cheville pour être sûr qu'il travaille que avec les muscles du pied et pas sur une rotation de hanche. On va partir de cette position là et tu vas venir juste pousser contre moi ici. Ok, on maintient sur 3 répétitions 5 secondes de contraction. Ensuite on fera dans l'autre sens. Ok, alors t'es prêt? Oui. Allez, on y va, tu pousses. Allez, encore, maintiens, 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 encore, encore. Ok. Ça va l'appui? On est reparti, go! Encore, 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 encore. Allez, 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 tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Oh, ok. Dernière, t'es prêt? Allez, go! Encore, 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 encore. Allez, 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 allez. Et relâche. Donc, on va comparer maintenant aux inverseurs. On maintient toujours avec une main la cheville pour pas que ça bouge au niveau de la hanche. Et je vais te demander de partir d'ici et de pousser vers l'intérieur. Ok? T'es prêt? Allez, on est parti. Allez, encore, 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 encore. Allez, allez, allez. Et relâche. Un deuxième. C'est parti. Pousse. Encore, encore. Allez, 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 allez. Encore, 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 encore. Et relâche. Dernier. Allez, tu pousses. Allez, allez, allez. Encore, 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 encore. Encore, encore. Et relâche. Donc là, on a des données qu'on va pouvoir comparer au membre opposé qui n'a pas eu d'entorse de cheville pour voir au niveau de la récupération si elle a été bonne ou pas.